Salut tout le monde, ici Zang, on se retrouve pour la suite de Resident Evil. Nous sommes en train de fouiller une nouvelle fois les différents étages du bateau, en essayant de nous en sortir tant bien que mal. Alors, quels sont les endroits que nous n'avons pas visités? Donc le S2, c'est là où nous devons aller. Alors, le quatrième étage, c'est fait. Le troisième, il faut qu'on y aille, sachant qu'on a donc une porte avec du corrosif. Avec trois pièces à visiter, donc il y a un conduit, l'infirmerie et la douche. Donc ça va être important de le faire. On a la pièce, enfin le... Je crois que c'est là. Ah non, nous sommes dans le 1F. L'étage du dessus, c'est fait. Donc là, l'objectif, c'est de retourner au 3F. D'accord. En espérant ne pas nous faire attaquer à tout bout de champ. Quel est l'accès le plus rapide? Ça doit être par là. J'entends des bruits de monstres. Alors. Les 3F, voilà. Donc, étant donné qu'on a récupéré des corrosifs, ce genre de choses, j'imagine que de nouveaux monstres vont apparaître au fur et à mesure. Ou pas. Et ben voilà. C'est exactement ce que je disais. C'était prévisible. On n'a pas trouvé le crochet. Donc ça, c'est plutôt dommage. Alors j'espère qu'il est dans les salles qui sont après celle-ci. Donc avec de nouveaux monstres, hein, je présume. Ah, c'est là où... Ça, c'était la dernière scène. Dans le souvenir. Ok. D'accord. Oh, shit. Ah, est-ce qu'on a moyen d'utiliser les bombes? Une bombe pour être actuelle à distance. Ok. Non, je ne peux plus pour l'instant. Ah, attends. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Oh, attendez. Ah merde. Surprenant. Je ne m'y attendais pas. Alors, un câble. D'accord. Ah, c'était peut-être... Je sais qu'il faut réparer l'ascenseur, donc... C'était peut-être pas des fusibles, c'était peut-être des câbles. Ouais, ça devait être ça. Puisque donc le but, c'est de récupérer... De quoi... Alors, attendez. On va se soigner quand même. De quoi aller au moins deux, histoire d'aller sauver Ethan. D'accord, il n'y a strictement rien là-dedans. Bon. Encore des bombes télécommandées. C'est tout? Je suis un peu déçu. D'endroit. Il y a le conduit où on n'est pas allé, la salle de contrôle.
prendre quelque chose. Il n'y a plus rien dans l'infirmerie? Oh, je suis déçu. J'attendais vraiment à ce que des choses un peu plus... oufissimes. On peut pas sauter à partir de là. Non. Du coup, on n'a pas trouvé de crochet, donc on ne saura pas ce qu'il y a dans cette boîte pour l'instant. Et qu'on n'a pas tout bien exploré. Malgré tout, on a avancé, hein. Est-ce qu'il faut autre chose pour l'ascenseur? Le câble est complètement grillé, on en avait un de rechange, mais on a dû l'utiliser pour réparer quelque chose dans l'infirmerie du troisième. D'accord, on a besoin de moi en bas dans la salle de machine numéro 2. Ok. Il manque quand même quelque chose, il manque un fusible. Ah, est-ce que j'ai bien tout réussi, tout récupéré là-dedans? Je crois que non. Bon, t'arrêtes. Volté. A priori, c'est que j'ai pas tout bien exploré, hein. Vous allez me dire c'est inadmissible et tout. Evie est en haut. Oui mais ça je... Bon, on n'a rien dans notre boîte. Ah, ça aurait été sympa qu'on puisse dans nos souvenirs mettre tout dans la boîte et récupérer tout maintenant. Donc là non, toujours pas. Est-ce que j'ai bien tout exploré? Dans cette pièce-là, il y avait juste les trois corrosifs. D'accord. Il n'y a pas une petite plante verte, tu me carrer comme ça? Non. Truc que j'ai raté? Si jamais vous voulez un truc que j'ai raté, hein, n'hésitez pas et dites-le moi. Hein. Bon, a priori, quand vous verrez les vidéos, le jeu sera terminé. Parce que je pense pas qu'il reste. Ah! Non, y a rien. Je pense pas qu'il reste 50 millions de choses à faire. Mais sait-on jamais? Ah. Ah bah oui! On a ça! J'avais zappé ça! Un mystère everywhere. Des bombes. Et le crochet était ici. Moi je pensais que ça menait à l'étage supérieur et tout. Donc, on a un crochet. Il nous faut un fusible. Il est pas simplement dans la boîte avec le crochet, si? Vous pensez? T'avoue que je posais des questions. On va aller vérifier. Hein. Vous pensez que le fusible est là-dedans? Ce serait bizarre quand même. C'était juste une pièce en tête. Ok! Merci le jeu! Oui, il a l'air cassé, il l'est sûrement. Ah, est-ce qu'il y a des étages que j'ai foiré? Ou pas du tout? Il y a peut-être une pièce que j'ai complètement ratée. Hein. Pour l'instant, non, pas vraiment. En fait. Étrange. J'ai peut-être mal fouillé ici. Je m'étonne que ce soit pas une cassette vidéo. Foutu fusible.
On va descendre au premier étage. Si j'ai raté quelque chose, je pense que c'est là-dedans. Parce que j'avoue, c'était la fin de vidéo. J'ai peut-être un peu mal fouillé. Une question de faire les choses étape par étape. Ah non, on n'avait pas fouillé ça. Donc effectivement. Ça ne m'aide pas. D'accord. Pourquoi tu te fermes toute seule la porte? Je flippais un peu dans cette salle et du coup j'avais pas tout fouillé. Le fusible est juste ici. Ou pas, en fait. En fait, non. En fait, j'ai rien dit. Je pensais que le fusible serait juste là. Où es-tu, petit fusible? En as-tu dans la machine à laver? Oui, du fluide. Comme quoi, par moment, ouvrir les poubelles, ça a du bon. Donc là, attends, toujours pas. Non, ça je l'ai faite. Je viens de la faire. Enfin, le bateau est quand même grand, mais il y a des limites. Aussi grand soit-il, là c'est là où on sauvegarde, je crois. Où est le fusible? Peut-être là, monsieur? Non, c'est pas lui qui l'a. Foutu fusible. Elle est pas si grande que ça. Je dois le rater, mais de tellement peu. On va revérifier la salle du capitaine, hein, mais. On va revérifier tout le niveau où il y a le capitaine. Là, on a récupéré la mitrailleuse. J'ai peut-être été un peu rapide. Allez, monte. Monte, ma petite. Monte. Alors. Dans tout ce cas-là, là, il n'y a pas un fusible. Dans la salle du capitaine, il n'y avait rien d'autre. Bon, il y avait quand même des armes, donc on va pas se plaindre. Mais je vois un fusible. Est-ce que je l'ai fait ça? Du coup, oublie. Parce que ce coup-ci, je vais le détruire. Gardons toujours nos munitions. Nos armes chargées. Il n'y a pas d'autres pièces? Pas de fusible. Où est le fusible?
Bah, tout d'un coup, je suis passé à côté. Je vais repasser une demi-heure à tout fouiller ou bien comment ça se passe? Si je ne le trouve pas, je vais utiliser la solution de secours. Je vais à la table. Méfie-toi. Ah, je me dis quand même, je suis vraiment un boulet. Hein. J'ai réussi à rater une plante verte. On était juste à côté, donc. Ça. Où est-ce que peut être ce foutu fusible? Bon, dernier aller-retour, hein, on va refouiller un peu. Mais a priori, ça ne devrait pas être trop loin. Enfin, le bateau il est grand, certes. Je suis un boulet, certes. Non, ça je l'ai déjà fait. Voilà. On arrive là, on voit ça. Il n'y a rien dans le manteau. Non, mais tu casses un truc, tu récupères un fusible à l'intérieur, je sais pas. On va revérifier à l'infirmerie, mais. Ça me paraît chelou. Vraiment rien. N'y a pas un fusible là-dedans non plus. Bon. Il y avait un câble, ils vont. Ah, j'ai raté un corrosif. Ma foi, peut quand même être utile. On peut dire clairement que non, ce n'est pas ici. Je vais gentiment aller voir la solution. C'est inadmissible, je sais, mais j'apprécie pas. Alors, attendez un instant. Je vais taper gentiment sur Google. Fusible Resident Evil 7. Fusible bateau Resident Evil 7. Non, parce que me voir faire une vidéo pendant 50 minutes où je cherche une putain de fusible. Fusible. Alors, visiblement. C'est moi qui suis un boulet. Ah! Attendez. Où est-ce que c'est? Descendez au niveau 1 et allez déverrouiller la porte au nord-est pour trouver le sac à dos, deux herbes, ok. Rendez-vous ensuite près de la porte au nord-ouest pour prélever le fusible. Et donc j'ai complètement raté le fusible qui est au niveau 1. Alors je sais pas du tout d'où il parle. Mais visiblement c'est moi qui ai été un boulet. Je m'en serais aperçu tôt ou tard, hein, mais. Pour
Pendant 20 minutes, vous m'avez vu chercher un fusible. J'espère que vous êtes heureux d'avoir regardé cette vidéo. Le niveau 1, il est là. Attendez, c'est pas le fusible qu'on a utilisé pour ouvrir la porte? Parce que je crois qu'à un moment on utilise un fusible pour ouvrir une porte. Est-ce qu'on peut le ré-récupérer? Je suis quasiment sûr que c'est ça. Bah oui, maintenant que j'y pense, c'est évident. Ah, je me déteste. Bon, et eh bien c'est dans cet ascenseur que nous allons nous laisser, hein. Je comprendrai que vous m'en vouliez à mort, parce que moi je m'en veux. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite de Resident Evil. On va aller sauver Ethan dans la prochaine. Et je pense qu'après ce sera la fin du jeu. Bon, j'imagine qu'il y aura peut-être la grand-mère à buter, le frère, puisqu'on sait toujours pas ce qu'il devient. Bref. Ciao tout le monde, à plus.